bakanisa ki lokola Samson pouvoir na ezala ki na soki. Pour ce match disputé à l'île Maurice, j'espère que vous saurez nous pardonner la mauvaise qualité du son et des images, mais nous avons néanmoins tenu à vous présenter ce reportage. Donc, Monsieur Kadeya, alors une attaque à Jean-Rolle pour débuter, Seigneur Adelaïde qui dégage de la tête au-dessus de la transversale, un corner à l'issue d'une attaque éclair, corner sur le côté gauche. Il faudra se montrer très très vigilant ce début de match. Déjà le premier but, le premier but. Emeka qui a marqué ce but avec une reprise de la 3-5-2. Je pense que Sadio Alcantara doit revoir éventuellement sa défense et jouer un 5-3-2. Un tir de France Genac. À l'étranger, quand cette équipe, je n'ai pas encore balancé devant les buts de Risse. Attention! Et le deuxième but ici. Le deuxième but, Zaïra. C'est sûr, c'est un but. À ce moment-là, est arrivé quelques secondes en retard. Il y avait aussi la Rousse-Mastini. Ondelia qui met William Rezidu pour marquer le troisième but. Il avait marqué le début, il fallait qu'on le faire venir et qu'on se rattaque. C'est là qu'il ne fait pas. Bayram, c'est parti pour Aslomo Kido qui marque 3-2 pour le Zaïre avec un but. Pour son petit Mbala qui reçoit ce ballon. De la part de son capitaine, Otakia qui va marquer le quatrième but, il n'y avait pas un jeu. Otakia qui marque le quatrième but du professeur qui a pu après ce corner de Lipimba et tête superbe d'Otakia qui marque le cinquième but. Très bien fait, Otakia qui a repris donc le ballon de Lipimba. Notre retour sans suspense sur le stade Kamenola à Kinshasa, fort de leur avance de 4 buts, les Aïrois ne pouvaient plus être battus. Attention, c'est au centre de Kaskite. Voilà. Non, personne à la récupération, il peut faire. Le ballon ne passe pas. C'est pas vrai ça. Le danger n'est pas du tout écarté. Kassongo qui soulève, attention, Katia au-dessus de la transversale. C'est pas vrai ça. Et vous avez vu, quand il varie le jeu, c'est que ça peut donner comme résultat. Il faut qu'il secoue absolument cette défense mauricienne qui est très renforcée par la présence d'un gardien de but de très grande taille. Attention sur cette descente, Mamale soulève pour... faire une bonne résistance à l'équipe zaïroise qui a mis du temps pour ouvrir le score. C'était le but qu'on recherchait, à savoir notre équipe est là pour apprendre. On savait que ce serait trop difficile. Donc on a décidé de renforcer notre défense par rapport au match aller où nous avions laissé peu d'espace libre à l'équipe zaïroise. Pour nous, pour l'instant, tout se passe bien. L'important, c'était, je vous dis, de mettre en difficulté cette équipe zaïroise. Je crois qu'on en a réussi. Tokala pour Mamale, Mamale pour Mutamba, Michel Gogué, Kondeloa qui attend. Rapidement joué pour Kassongo Kabwe. On joue déjà les arrêts de jeu. Kassongo, il est parti Kassongo. L'aspect bien. C'est Kassongo Korando et c'est Tondelwa qui marque. Voilà, Tondelwa marque. Zaïre 2, l'île Maurice 0. Un but pour son petit Mbala qui reçoit ce ballon de la part de son capitaine Otakia. Otakia qui va marquer le quatrième but, il n'y avait pas un jeu. Otakia qui marque le quatrième but du professeur qui a pu après ce corner de Lipimba et tête superbe d'Otakia qui marque le cinquième but. Très bien fait, Otakia qui a repris donc
au ballon de Mutumba. Notre retour sans suspense sur le stade Kamenola à Kinshasa, fort de leur avance de 4 buts, les ayants droit ne pouvaient plus être battus. Il doit revoir éventuellement sa défense et jouer un 5-3-2. À tir de France Genac, à l'étranger, quand cette équipe n'a pas encore balancé devant les Biberis. Attention! Et le deuxième but ici. Le deuxième but, Zaïrois. Le soir est tendu et à son équipe est arrivé quelques secondes en retard. Il y avait aussi la Russie. Allez! Ndelia qui met William Rezidu pour marquer le troisième but. Nous avons marqué le début avec le faire venir et contre-attaquer. Je vois que nous sommes pas. Bayaram, c'est parti pour Asselineau Thibault qui marque 3-1 pour le Zaïre avec. Attention, c'est descendre de Casquiter. Voilà. Non, personne à la récupération, il peut faire. Le ballon ne passe pas. C'est pas vrai ça. Le danger n'est pas du tout écarté. Kassongo qui soulève. Attention, Katia. Au-dessus de la transversale. C'est pas vrai ça. Et vous avez vu, quand il varie le jeu, c'est que ça peut donner comme résultat. Il faut qu'il secoue absolument cette défense mauricienne qui est très renforcée par la présence d'un gardien de but de très grande taille. Attention si ça descend. Mamale soulève pour. Faire une bonne résistance à l'équipe zaïroise qui a mis du temps pour ouvrir le score. C'était le but qu'on recherchait, à savoir notre équipe est là pour apprendre. On savait que ce serait très difficile. Donc on a décidé de renforcer notre défense par rapport au match aller. Nous avions laissé trop d'espace libre à l'équipe zaïroise. Pour nous, pour l'instant, tout se passe bien. L'important, c'était, je vous dis, de mettre en difficulté cette équipe zaïroise. Je crois qu'on y a réussi. Bokala pour Mamale, Mamale pour Mutumba. Bakanisa qui le colle à Samson pour voir Maïs à la Guinée Souris. Pour ce match disputé à l'île Maurice, j'espère que vous saurez nous pardonner la mauvaise qualité du son et des images. Mais nous avons néanmoins tenu à vous présenter ce reportage. Donc, Monsieur Kadeya, alors une attaque à Jean-Rolf pour débuter, Stéphane Adélaïde qui dégage de la tête au-dessus de la transversale, un corner à l'issue d'une attaque éclair, corner sur le côté gauche, il faudra se montrer très vigilant au début de match, et déjà le premier but, Emeka qui a marqué ce but avec une reprise de la 3-5-2, je pense que ça